Bon, alors nous allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2. C'est un texte que l'on réserve généralement à Noël. Vous allez me dire, ce n'est pas Noël, mais ça fait rien, nous allons le lire quand même. Matthieu, chapitre 2. Donc on va d'abord lire le verset 2. Verset 1er même. Verset 1er et 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et un peu plus loin au verset 11, « Entrant dans la maison, ils virent l'enfant, donc ils sont les mages toujours, et l'enfant bien sûr c'est Jésus, avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Éternel, notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné ta parole. Elle est pleine de détails qui, au premier abord, nous paraissent insignifiant peut-être, qui ne nous semble pas avoir d'importance, et pourtant, Seigneur, qui nous enseigne. Et cet enseignement, Seigneur, nous voulons le saisir pour notre vie chrétienne, pour notre marche, pour notre compréhension de ton plan aussi. C'est pourquoi nous te demandons de nous ouvrir le cœur, de nous ouvrir l'esprit, afin que nous soyons réceptifs à ce que tu veux nous dire ce matin. À ton nom la gloire, Père. Amen. Donc nous sommes dans le contexte de la nativité. Jésus vient de naître, vous le savez bien sûr, dans une étable. Son lit à baldaquin, ce n'était pas un lit royal, mais c'était une auge. Et donc trois mages venus d'Orient, des Persans, donc, viennent lui rendre hommage et lui apportent des présents. Et ce sont de ces cadeaux que je voudrais vous parler ce matin. Parce qu'ils ont quelque chose à nous dire sur la personnalité de Jésus. Vous savez que, bien souvent, les cadeaux que l'on offre à des gens que l'on aime se choisissent en fonction des circonstances, en fonction aussi du destinataire. Par exemple, un jeune homme qui veut demander une jeune fille en mariage, il va lui offrir un cadeau. Il ne va pas lui offrir une bicyclette, il ne va pas lui offrir un appareil photo, à moins qu'il ait vraiment décidé de casser les traditions, il va lui offrir une bague de fiançailles. Et donc, quand la jeune fille qui a été invitée par un jeune homme au restaurant et qu'au moment du dessert, eh bien, elle voit que ce jeune homme lui offre un petit coffret, elle se dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et puis quand elle ouvre le coffret, elle voit que c'est une jolie bague et elle a compris le message que le jeune homme voulait lui faire passer. « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Eh bien, quand ces trois mages donc sont venus voir ce bébé qui est Jésus, ils ne sont pas venus avec un doudou comme pour tous les bébés. Ils sont venus avec eux aussi un coffret, trois coffrets. Le premier contenait de l'or, l'autre contenait de l'encens et l'autre contenait de la myrrhe. Et ces trois cadeaux donc, ces trois cadeaux, eh bien, vont nous rappeler quelque chose par rapport à la personnalité de Jésus. D'abord, l'or. À qui offre-t-on de l'or? Dans beaucoup de circonstances, dans la Bible, nous avons vu qu'on a offert à quelqu'un de l'or. Mais les exemples que je vais retenir, c'est par exemple dans Deux Rois, chapitre 10, verset 10. Il s'agit de la reine de Séba, ou de Saba, selon les traductions, qui vient rendre visite à Salomon et qui est époustouflé, épaté par son savoir, par sa connaissance et par sa sagesse. Elle donna au roi 120 talents d'or.
et en plus une grande quantité d'aromates, de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donnait au roi Salomon. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'elle qui a offert de l'or à Salomon. Nous voyons un petit peu plus loin au verset 23 et 25 du même chapitre 10. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre sa sagesse, la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur, et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements et des armes, des aromates, des chevaux et des mulets, et il en était ainsi chaque année. Et nous avons un autre exemple de quelqu'un qui a offert de l'or, c'est Naaman. Le souci avec Naaman, c'est qu'il s'est trompé de destinataire. Donc deux rois, toujours en chapitre 5 cette fois. Je me demande si je ne me suis pas trompé dans la référence. Oui, c'était un roi, hein. J'ai mis un roi, donc c'est bien. Un roi, chapitre 10, et chapitre que nous avons lu. Maintenant, nous sommes à deux rois, chapitre 5. Donc, nous sommes après le règne de Salomon, forcément. Et cette fois, il s'agit du roi de Syrie, qui dit à Naaman, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Donc, il s'agit du général Naaman, qui, comme nous le savons, était lépreux, mais qui a la chance de connaître une jeune fille qui connaissait bien Élisée, le prophète d'Israël, et qui dit à Naaman, eh bien, va voir ce prophète Élisée, il te guérira de ta lèpre. Et bon, je ne vais pas développer l'histoire de Naaman, je l'ai déjà fait il n'y a pas si longtemps. Donc Naaman va voir son patron, le roi de Syrie, et le roi de Syrie dit, eh bien d'accord, tu vas aller voir le roi d'Israël, il va régler ton problème, et je vais lui faire une lettre, et tu lui donneras de l'or. Naaman, bien sûr, s'est trompé de destinataire, puisque ce n'était pas le roi d'Israël qu'il devait aller voir pour guérir sa lèpre, mais le prophète Élisée. Donc ces trois exemples nous rappellent que l'or était offert principalement à des rois. Alors il n'y a pas qu'à des rois que l'or était offert, nous voyons de nombreux textes dans la Bible où l'or est associé à l'idolâtrie, mais je veux bien sûr ne pas retenir aujourd'hui ces textes-là, mais ces textes où l'or est associé, l'or comme cadeau est associé à la royauté. On offrait de l'or à des rois. Et donc, en offrant de l'or à ce bébé qui est Jésus, ces mages ont reconnu la royauté de Jésus. Jésus est roi. Dans le temple de Salomon, eh bien, il y a beaucoup d'or aussi. Et ce temple nous est décrit en outre dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. Donc j'avais prévu de le lire presque en entier, mais c'est peut-être un peu long, donc nous allons lire simplement à partir du verset 9 jusqu'au verset 4 pour commencer. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, où étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or.
Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Et au verset 9, donc c'est le verset premier que nous avons lu, décidément ce matin au niveau des références, je ne suis pas au top. À partir du verset 9, donc, c'est une figure pour le temple actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache est vendue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Voilà ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous expliquer. C'est que dans le temple, dans le tabernacle, il parle du tabernacle, mais dans le temple, eh bien, le temple, c'est un tabernacle amélioré, hein, rendu. C'est qu'il y a bien sûr de l'or, que tout ça représente la royauté, qui est la royauté divine, mais qu'à travers tous ces objets, à travers les rituels, à travers les animaux qu'on sacrifiait, eh bien, il y avait la présence, la personne de Jésus. Jésus qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dans l'Apocalypse, nous voyons, au chapitre 1er, versets 12 et 13, Jean qui voit Jésus apparaître au milieu des chandeliers d'or. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis sept chandeliers d'or. Au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et là encore, nous voyons l'or associé à la personne de Jésus. Jean dit quelqu'un, dans une sorte de pudeur, disons, dit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, et il a bien compris, Jean, que c'était Jésus, vêtu d'une ceinture d'or, paraissant au milieu des sept chandeliers d'or. Il apparaît plus tard, toujours dans l'Apocalypse, au verset 14, verset 4, verset 14, « Et je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, donc Jésus, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. » Enfin, nous l'avons vu au verset 2 de notre texte de Matthieu, avant. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ces mages donc reconnaissent très bien la royauté de Jésus. Nous avons d'ailleurs aussi dans les prophéties, de nombreuses prophéties, je n'en lirai qu'une, qui se trouve dans, qui est cité par, dans l'évangile de Matthieu. Lorsqu'ils approchèrent, Matthieu chapitre 21, verset 1 à 5, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-le et amenez-les-moi.
Si quelqu'un vous dit quelque chose, je répondrai, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Enfin, Jésus se reconnaît lui-même comme roi. Matthieu 27, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Bon, j'espère que je vais arriver jusqu'au bout. Jean 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mais si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Merci. Le deuxième cadeau, c'est l'encens. L'encens provient d'une plante originaire de l'Inde. Merci beaucoup. Elle entre dans la composition de parfums en l'honneur de l'Éternel. Lévitique, chapitre 2, verset 16. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Exode, chapitre 30, verset 34 à 36. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ça va me reposer la voix. L'Éternel dit à Moïse, en des aromates, du sapé, de l'or de l'or, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur, qui sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes proportions. Vous regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable, pour le sentir, sera retranché de son peuple. Merci, merci. Bon, vous voyez que cet ensemble, c'était quelque chose de précieux devant Dieu. On ne s'en servait pas pour se parfumer, pour être beau le dimanche matin, mais c'était réservé à Dieu. Et cet ensemble, donc, nous rappelle la divinité de Jésus. Et donc, je vais peut-être aller un peu plus vite. Je conclurai ce deuxième point avec Colossiens, chapitre 2, verset 9. « Car en lui, Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Le troisième cadeau, c'est la myrrhe. Orthographe un petit peu bizarre, M-Y-2-R-H-E. Il provient d'une plante originaire d'Arabie. Cette plante a donné son nom à la ville de Smyrne. Smyrne signifie en grec la myrrhe, parce que cette ville s'est enrichie grâce au commerce de ce parfum. C'est non seulement un parfum, mais c'est aussi un antispasmodique et un analgésique, c'est-à-dire un médicament
du doliprane un petit peu, un médicament ou comme la morphine qui calmait la douleur. À qui offre-t-on de la myrrhe dans la Bible? Eh bien d'abord à Joseph. Genèse chapitre 43, verset 11. Israël, alors je replacerai ce verset dans le contexte après. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleurs produits, de meilleures productions du pays, pour emporter à présent à cet homme un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Rappelons que Joseph est devenu premier ministre en Égypte, donc c'est devenu quelque chose, quelqu'un de très très important. Il y a la famine en Israël, mais il y a l'abondance en Égypte. Donc Jacob et ses enfants, donc, sans savoir que le number one d'Égypte, c'est Joseph, fils de Jacob et frère donc de ses fils forcément, vont en Égypte pour acheter du blé et pour honorer donc eh bien ce premier ministre qui est une personne très importante, a very important person, comme disait l'Américain, une VIP, eh bien il lui apporte des aromates et surtout de la myrrhe. À qui apporte-t-on encore comme cadeau de la myrrhe? Eh bien, au roi des rois. Et là, je vais lire je sais que c'est le psaume préféré de Josiane, le psaume 45, verset 7 jusqu'au verset 9. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, pardon. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues, la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Le psaume 45, c'est le psaume qui parle de la royauté. Mon œuvre est pour le roi. Tout ce psaume nous parle de la royauté de Dieu, bien sûr, de l'Éternel, mais aussi de la royauté de Christ. Et à Christ, donc, eh bien, on offre de la myrrhe parce qu'il est le roi des rois. Mais à qui donc aussi offre-t-on de la myrrhe? Et là, je suis certain, vous surprendre. À qui d'autre offre-t-on de la myrrhe? Eh bien, au crucifié. Ça vous étonne? Mais pourtant, c'est écrit dans la Bible. Et je vais le lire. C'est dans l'Évangile de Marc, chapitre 15, versets 21, 22, 23. Au moment où Jésus est crucifié. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs. Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. On offre à Jésus sur la croix, au moment de sa crucifixion, il lui donne du vin et de la myrrhe. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la cigarette du condamné à mort? Il n'y avait pas de cigarette en ce temps-là, donc on offre au condamné à mort une dernière coupe de vin, mêlé de myrrhe. Pas exactement. Malgré leur cruauté, les Romains
à ceux qu'il crucifiait, offrait donc cette coupe de vin mêlée de myrrhe, parce que cette myrrhe avait justement la propriété, non pas d'anesthésier, mais de diminuer un petit peu la douleur. Et Jésus refuse ce médicament. Il le refuse parce qu'il veut jouer le jeu de notre salut jusqu'au bout. Il sait que pour que nous soyons sauvés, il devait souffrir. Alors il devait souffrir. Il ne devait pas faire semblant. Il ne devait pas prendre de morphine. Il ne devait pas prendre de doliprane ni de dafalgan. Évidemment, ces médicaments n'existaient pas, c'est une image. Mais il voulait vraiment souffrir comme il devait souffrir. Et là, nous réalisons vraiment l'immensité de l'amour de Jésus, qui aurait pu, bien sûr, éviter ce supplice infâme à la croix. Et cela me rappelle, bien sûr, la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, concernant les souffrances de Jésus, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Revenons à notre hommage maintenant, qui apporte à la fois de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Eh bien, ces trois mages venus de Perse, rappelons que ce sont justement des mages. Qu'est-ce que c'est que des mages? Eh bien, des hommes qui adorent le dieu Zoroastre ou Zarathustra, et qui, au nom de cette divinité, pratiquent des arts divinatoires. Alors, je l'ai déjà dit à l'occasion de Noël, c'est quand même extraordinaire qu'Hérode a employé les bons moyens, c'est-à-dire qu'il a fait une étude biblique pour savoir qui était Jésus, et il n'a pas trouvé le Sauveur. Les mages, au contraire, ont employé le mauvais moyen, c'est-à-dire la divination, et ils ont malgré tout trouvé le Messie. Alors, ne me demandez pas d'expliquer théologiquement pourquoi. Mais en tout cas, Dieu sait très bien ce qu'il fait. Parce qu'il avait certainement un plan de salut, un plan de pardon pour ces trois mages. Et donc ces mages avaient compris que ce bébé, dans une mangeoire qu'ils venaient voir, c'était non seulement le roi, non seulement il était roi, non seulement lui il était Dieu, mais en plus qu'il était celui qui allait souffrir et mourir sur une croix pour le pardon de nos péchés. Quelle révélation extraordinaire, ces trois hommes, ces trois païens qui n'avaient, selon notre théologie logique, aucune place dans le royaume de Dieu, eh bien, ils ont peut-être été les premiers sur la terre à avoir compris ça. Nous parlons encore de la myrrhe au sujet de la sépulture de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. J'aimerais faire remarquer, et ce sera ma conclusion, un petit détail. Quand Jésus vient sur la terre pour
apporter le message du salut. Et pour mourir sur la croix, on vient à lui avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La prophétie d'Ésaïe 60, versets 3 à 6, nous parle aussi de Jésus comme roi, comme Dieu. Mais cette fois, elle ne parle pas, cette prophétie ne nous parle pas de Jésus qui va mourir sur la croix. Cette prophétie nous parle de Jésus qui va revenir en gloire pour régner effectivement en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et voici ce que dit le prophète Ésaïe, 60 versets 3 à 6, « Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressaillis alors et tu tressailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. » C'est toujours de Jésus qu'on parle, hein. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'éphas. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Vous n'avez pas remarqué une petite différence? Ils portent de l'or et de l'encens, mais cette fois-ci, pas de myrrhe. Parce que la myrrhe, c'était pour les souffrances de Jésus. La myrrhe, c'était sur la croix. Maintenant, dans cette prophétie d'Ésaïe, il s'agit de Jésus qui revient, non pas pour se faire à nouveau crucifier, quoique souvent, à cause de notre incrédulité et de notre nature humaine, nous le crucifions de nouveau, que Dieu nous le pardonne. Il ne vient pas cette fois-ci pour se faire crucifier de nouveau, il vient cette fois-ci pour accomplir totalement la mission pour laquelle il a été envoyé, c'est donc, eh bien, revenir sur la terre, chasser Satan, l'envoyer dans l'abîme, et aussi, bien sûr, juger les pécheurs impénitents, mais régner avec ceux qui l'ont cru. Que Dieu soit béni. Jésus revient bientôt. Soyons prêts.